On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mardi 12 mars 2024. Hello, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on y va pour ce mardi avec un premier message. Premier message donc de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et on a, c'est la 27? Ouais. La carte 27, l'idéal vécu qui vous dit « Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. » L'idéal vécu. Donc ressentir, vous imaginez déjà vivre votre idéal et le ressentir au plus profond de vous. Il est déjà présent. Quelque part. On y va avec le tarot, le Light Seer's Tarot. À la coupe, on a le mat, le fou et le 9 d'épée. Alors là, on a une situation qui vous demande d'accepter une crise, une reprise d'insomnie. Non, mais en fait, c'est une prise de risque, ça. Il y a une situation, c'est dans l'attente. Il y a quelque chose dans l'attente et ça vous stresse. Ça vous stresse un peu. La tour, peut-être vous craignez. Faites attention parce que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Il y a des personnes qui n'y croient pas, qui craquent. C'est ok. C'est ok. Qu'on a l'impression qu'elles n'y arriveront jamais. Que ça marche jamais. Pour elles, vous voyez? Voilà. On ne croit pas en elles. Ou... Elles sont brûlées les ailes. Le mat, le fou, c'est une carte de... On s'en veut. On s'en veut presque d'avoir cru en quelque chose, d'avoir foncé, d'avoir été insouciant, d'avoir osé, tenter l'aventure, d'avoir vécu en fait. Ouais. Et de ne pas avoir vu venir le moment où on allait comprendre qu'il n'y avait pas de fondation, il n'y avait pas de base, ou qu'on s'est fait avoir, ou que la vie amène... une catastrophe, une crise, une annonce. On se dit, mais c'est pas possible, on n'y croit pas quand on est... Pour moi, le 9 d'épée et la tour, c'est quand on est sidéré. Sidéré par une situation. Et le mat, on ne peut rien y faire. On ne pouvait rien y faire. C'était pas de notre contrôle, de notre sort. La force, waouh. La force, c'est la résilience aussi, hein. Impératrice, magnifique. Mal 9 d'épée. Après, c'est vous prendre en charge et à traverser, en fait. À traverser un passage de vie compliqué. Ouais. Le 8 de denier, la mort, la reine de coupe, ouais. Un travail, là je vois vraiment un travail spirituel ou intérieur ou comme ça pour renaître à soi et pour repartir sur quelque chose de nouveau et retrouver beaucoup beaucoup d'amour, d'épanouissement. Ouh, c'est... J'ai 2-8, j'ai 2-9, deux femmes et la mort. L'épanouissement... La joie, des plaisirs, aussi simple soit-il. On regarde l'association de la force. C'est vrai que c'est inversé dans le jeu-là. Et l'impératrice. Elle est là. C'est celle-là. Alors... C'est bizarre que vous angoissiez là-dessus. Magnétisme et séduction dans les échanges affectifs. Excellente évolution professionnelle. Bonne maîtrise de la gestion financière. Assurance et diplomatie dans l'évolution de projets. Idées et initiatives imposées avec adresse.
Il est où le problème? Voyons voir l'impératrice. C'est peut-être quelqu'un qui veut. On va voir. L'impératrice, c'est l'arcane sans nom. Séparation affective, momentanée ou définitive. Vous savez, ça ressemble à une histoire ici où vous êtes lancé éperdument dedans. Et en fait, vous avez découvert quelque chose qui a amené à une séparation. Vous avez vécu une situation qui a amené à une séparation, une perte peut-être brutale. Évolution professionnelle au point mort, bah, ça a amené tout ça en fait, hein. Crise financière, transformation importante des projets que vous aviez en cours et ça amène inévitablement à un changement d'orientation personnelle. Mais ça vous amène à l'amour, la reine de coupe. Ça vous amène à l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Le cavalier de coupe et le neuf de coupe, c'est le rêve de la personne qui arrive sur son cheval blanc pour vous offrir monts et merveilles. Ah ouais, c'est idéal ça. C'est avec l'étoile, l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Bon, on continue un peu. Eh oui, on s'est brûlé les ailes, mais on est tous humains, on a tous connu des peines. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de faire raviver une flamme, de faire renaître quelque chose, qui essaye de revenir vers vous après s'être séparé ou comme ça, parce que. Ouais, j'avais le sentiment d'une séparation ouais, momentanée, mais peut-être pas définitive. Parce que là, j'ai quelqu'un qui vient. On vous sent en larmes. Peut-être quelqu'un qui a brisé vos rêves. C'est quoi en deux decks là? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Je vois quelque chose dont vous rêviez, auquel vous tenez. Hein. Vous allez récolter quelque chose de beau. De denier. 8 épées. Ça vous fait peur. Il y a une difficulté à avancer ici. Peut-être un désespoir. Mais dans le sens... Je vois un truc amoureux, hein. Il y a la peur de l'ambiguïté ou de la tromperie ou que ça ne fonctionne pas. De pas savoir l'avenir. C'est peut-être pour ça que vous regardez window. Élan affectif à la fois trouble et fougueux. C'est ça qui vous fait peur. C'est le love bombing, en fait. C'est qu'une personne arrive, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous êtes la personne la plus incroyable, celle qu'elle a toujours rêvé, attendue, ou comme ça. Ou alors, c'est une personne qui vous envoie cette énergie-là. Bon ben, la vie vous a traversé, vous n'y croyez plus trop quoi. En tout cas, vous savez le red flag que peut représenter un love bombing. Manque de souplesse dans le comportement relationnel. Mais c'est ce que je sentais, hein. J'ai senti. Ah, c'est trop beau presque pour être vrai. Parce que avec la force, c'est une personne qui arrive, qui c'est merveilleux, mais elle y croit hein, certainement. Hein. Et après, elle est tout de suite dans le contrôle. Elle est tout de suite dans
Alors, là, par contre, vous avez un éclaircissement concret dans la vie professionnelle et un rééquilibre de la situation financière. Donc là, vous allez récolter quelque chose. Donc, je ne sais pas pourquoi vous y a le 9 d'épée. Excellente organisation d'entreprises diverses. Pourquoi le 9 d'épée? Vous savez, c'est comme rencontrer quelqu'un, mais la personne, elle aura un passé ou des relations comme ça. Et voilà, il y a une forme de... Les règles, c'est ça. Enfin, vous voulez planter des graines, instaurer des règles et être au clair sur quelque chose. Voyez? C'est peut-être un séducteur ou une séductrice ici. Qui après, voyez, se pose pas et commence à... C'est mort, c'est mort. Je dis ça et on a le 2 de coupe. Finesse. Parce que le cavalier de bâton, avec le cavalier de coupe, c'est clairement une personne qui aime séduire, qui aime charmer. Et c'est parfois trompeur, surtout avec un 7 et un 5 d'épée. C'est trompeur. C'est une personne qui peut avoir une double vie. C'est une personne qui peut être bipolaire. C'est une personne qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et pour certains, il y a la peur de... Je vois quelque chose de sentimental, hein, de démarrer une histoire, c'est le flirt. Et d'attendre l'engagement. Ou d'attendre ouais, une sécurité, d'être rassuré ou comme ça. Et là, financièrement, vous êtes bien. Y a la peur de souffrir. Hein. Mais il y a une discussion qui est engagée. Trouver un terrain d'entente et lâcher prise et être dans une forme de joie de nouveau et de lâcher prise mentale. Il y a une proposition, hein. Une proposition ici. Peut-être une personne qui a déjà un vécu un certain âge, hein, l'ermite, au roi de bâton ou un patron. Punaise. Y a quelqu'un professionnellement qui pense à vous, à vos dons, vos talents, votre lumière. À qui vous manquez, hein. Et vous avez des nouvelles, hein. Vous avez des nouvelles, hein. Moi, je pense que c'est pour un travail aussi. Et peut-être que pour vous, la crise, là, c'est... Vous êtes dans votre bulle, dans votre 9 de denier, vous êtes bien. Vous n'êtes pas encore au 10. Ça peut être pas mal, hein? Ouais, il y a une discussion ici. Ok. On passe au 77 d'Aliasqué. À la coupe, on a un retournement positif sur une union, un contrat, un partenariat. C'est fou. Ouais. J'ai un truc qui revient. Ok. Bon, bah écoutez, je peux comprendre qu'on angoisse. Parce qu'il y a la naissance de quelque chose, vous en étiez distancé. Et ça rattrape. Ou un truc que vous avez demandé, hein, que vous avez souhaité. Retournement de situation positive dans les unions, dans les partenariats, dans l'attente d'une réponse, d'un accord, d'un contrat, de quelque chose comme ça. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Question. Réflexion. Travail. Je vais éternuer. Pardon. Merci. On se demande si un projet va voir le jour. On se demande si on va réussir quelque chose. On se demande si ça va être quand. Il y a une question de temps là. C'est long, c'est long. Distance momentanée. Accélération. Voyage peut-être. Et l'ermite ou le protecteur, hein?
J'ai l'impression d'une personne qui pense à vous. Pour un projet. Mais il y a une énergie autour où ça bloque. Ben non, on ne peut pas bloquer le triomphe là. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient. Hein. Allez recevoir un message. On va vous demander de vous présenter à un entretien, à un rendez-vous. Ou alors c'est une rencontre que vous faites. Il y a un désir de... Le sentiment d'une personne qui vous approche, et elle vous approche avec une énergie de love bombing, ou peut-être elle est un petit peu forcing au niveau du toucher, de physique, tactile, ou elle vous, je sais pas, il y a un truc comme ça. Là où vous voulez être pro et carré, et, vous voyez? Je ressens ça aussi. Votre intention, c'est peut-être des valeurs ou une vraie volonté de réussir dans votre vie, de vous en sortir par vous-même, de gagner en autonomie, de gagner en croissance comme ça. Et voilà quoi, quelqu'un qui a débarqué, qui vous a envoyé une énergie, ça vous a vraiment blessé. Et comme vous n'avez pas répondu, vu que vous étiez sur une énergie de non, le sentiment d'une énergie comme ça qui pourrait revenir. Qui vous demande, est-ce que tu es toujours intéressé? Ou qu'il y a peut-être une proposition, un projet là à vous proposer. Allez savoir. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Après, vous allez peut-être poser des conditions. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, je vois quelqu'un d'un certain âge quand même, qui a avancé dans l'âge. Quand vous la voyez, elle a vieilli, ça c'est sûr. Bon, c'est normal, on vieillit tous. Ou alors c'est vous qui avez vieilli, hein, qui ne voulez plus être... Voilà. C'est comme se dire, oh non, maintenant je suis trop vieux pour ces trucs-là, vous voyez. Mais ça peut être émotionnel, comme ça peut être même un métier public, vous voyez. Et vous n'avez peut-être plus envie de travailler avec votre image. Peut-être vous avez envie de travailler avec vos mains. Avec le web. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas clair, hein? J'ai beaucoup de lenteur là. Beaucoup d'hésitation, de lenteur. J'y vais pas. Ah, ça ressort. Ça ressort. C'est le retour. On va poursuivre un petit peu du coup. C'est des discussions que vous pourrez aborder sereinement, mais il y a besoin d'éclaircir. On retrouve la lune. C'est quelqu'un d'hyper ambigu ou pas clair ou très dans le passé, nostalgique, ou quelqu'un d'infidèle, ou quelqu'un. C'est pas clair. Mais elle arrive avec une proposition. À vous de poser les questions. À vous de poser les questions parce que là, clairement, il y a un risque. On retrouve le mat qui est fougueux, qui est insouciant, qui mesure pas les risques et qui peut être, vous voyez, dans...
Trouve le cavalier de coupe, là, quelqu'un qui veut vous inviter. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Suis partie en... Comment ça s'appelle? Bref. Ah ouais. Ça veut parler d'amour, hein. Personne qui veut parler d'un lien de cœur. Et je vous dis, de l'autre côté, vous êtes sur... Moi, je voulais évoluer professionnellement, je voulais... Ou un truc comme ça, hein. Comme le sentiment d'une personne qui est... tombée amoureuse. Un easy lover. Y a une nouvelle manière de communiquer là. On vous sent très stable, très ancré, très posé. Vous aussi, vous avez vieilli. Vous aussi, vous avez gagné en maturité. Donc, prenez soin de vous, c'est bien. Je vais aller un peu plus vite. Ouais. À vous de lever le voile sur poser toutes les questions. Ok? Ça, j'ai l'impression qu'il y a une distance entre vous. Quelqu'un veut rompre, couper avec la distance. Presque l'impression d'une personne qui voyage beaucoup. Ça vient vous surprendre, hein. C'est une surprise aujourd'hui. C'est clairement une surprise. C'est assez inattendu, quoi. Ça vous sort de... Il y a une proposition aussi qui vous sort d'une impasse, il y a une chance, une opportunité. Toute façon, là, vous avez la connaissance, l'expérience, le savoir, hein, pour être zen, pour appréhender, les situations. Le sentiment d'un truc de t'es parti du jour au lendemain ou plus de nouvelles du jour au lendemain ou mais il y a une discussion. Et ça engage du pro et du financier ou comme ça. Après, adapter la lecture, hein, parce qu'il peut y avoir un truc lié au travail, ça peut concerner un nouveau partenaire de vie ou un proche ou comme ça. Et moi, j'ai l'impression que vous avez fait le deuil définitif de quelque chose. Et que là, dans cette opportunité, cette chance, vous allez vous laisser le temps. Il y a une problématique d'entreprise ou financier. Par contre, j'ai de l'amour. J'ai quelqu'un qui aime, mais qui est dans une forme de... difficulté. Alors c'est quelqu'un qu'on aime pour son argent, ou alors c'est quelqu'un qui a... Quelqu'un qui vous appelle, qui promet monts et merveilles, vous voyez? Un grand cadeau, un gros truc, c'est énorme. Et vous, forcément, l'angoisse, c'est la crainte que ce soit toxique, trop à risque, ouais, énormément de... Comme l'idée d'énormément d'amour, mais par contre, impossible qu'on se marie, impossible que ceci, impossible que cela. Vous voyez?
Ou alors c'est vous. Énormément de talent. Peut-être une personne qui se présente à vous et vous avez peut-être un ras-le-bol de vous dire, oh, punaise, j'attire encore ces gens-là, ces énergies-là, je réponds encore à ces coups de téléphone-là, j'en ai marre, vous voyez. J'ai un lâcher-prise, hein, sur l'idée de quelque chose qui naît. C'est super et très vite. Le sentiment de quelqu'un qui annule ou démissionne ou... ou se... Attendez, je cherche un mot. Désengage. Ou bien pour votre santé, qu'elle soit mentale, physique ou émotionnelle, vous faites littéralement le deuil, hein, du retour d'une situation, d'une personne. Même si vous avez des nouvelles, ici, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, pour poser des questions et annuler à tout moment un rendez-vous ou le refuser ou arrêter ou comme ça. En conclusion, avec les portes de l'intuition, il y a un truc qui est mort. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, encore le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Détachez-vous avec la méditation de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, beaucoup de mental aujourd'hui. Hein. Ouh! Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Il y a l'idée d'un nouveau départ et il faut passer une action en fait. Ça... Si vous voulez un changement, il faut placer une action. En fait, moi, je vois qu'il y a quelque chose que vous désirez profondément qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas. Et du coup, je ne sais pas, soit vous pensez au passé et ça vous stresse, ou soit vous pensez à l'avenir et ça vous stresse, ou vous voyez ce que je veux dire? Y a une blessure, hein, il y a une manipulation. Mais vous allez y arriver. Hein. Ce que vous désirez avec ferveur, vous allez y arriver. Mais il y a vraiment y a un truc comme si vous étiez lancé à corps perdu, à cœur perdu, je ne sais plus comment on dit. Enfin, les deux même. Et. Ouais, bref. Le moment présent, la méditation. Ouais. Ok, on va aller voir du côté du. Sentimental. Je vous ai dit le miroir là, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est. Ne vous en voulez pas trop, parce que je vois, il y a vraiment un truc, vous vous en voulez énormément. Vous avez honte, vous cachez, vous cachez le visage. Je vois un truc comme ça. Bref, un comportement ou. Mais c'est une ancienne version de vous-même, c'est passé, c'est passé. Ou c'est un événement traumatisant qui vous est arrivé, vous n'y pouvez rien, vous ne pouviez rien y faire. Il y a ce sentiment-là. Ok, qu'est-ce que je fais là? Je fais le sentimental, on y va. À la coupe, on a, ben voilà, les poissons et le bouquet. Ça, c'est une belle offre de prospérité, de joie, de bonheur, de retour à la vie, au plaisir. Mais pour d'autres, c'est le bonheur au travail. Ah ouais, pour certains, c'est. Vous êtes bien au travail. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein.
pour certains. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, ça arrive de l'étranger. Est-ce que pour certains, vous avez fait des démarches, vous avez enclenché des procédures, peut-être avec l'étranger ou comme ça. Une personne, un lieu, une entreprise. Ben, il y a une offre, il y a une réponse hein, aujourd'hui. Elle est où, Pioui? Sais pas où est. Ah ouais, je me doutais bien qu'elle était dans la cuisine. Ok, on y va pour la lecture. La montagne, le mont, le secret, le livre et l'ours, le soleil, les nuages, l'hélice, la clé. Bon. Il y a un bonheur qui est bloqué à cause d'un écrit, d'un document, d'un compte en banque ou un bonheur presque, je ne sais pas pourquoi on parlerait d'un bonheur qui vous semble aujourd'hui impossible à atteindre. Sais pas pourquoi. Eh ben, ouais, des obstacles, voilà. Obstacles administratifs pour certains. Et en fait, on vous dit que ça vous semble être un énorme problème, un gros problème, mais en fait, c'est que passager. Parce que le mont et le soleil, on vous parle d'un soutien, des appuis très importants. C'est comme si ici, on avait une personne extrêmement haut placée qui a des contacts, les amis. La personne, elle a des contacts, elle passe un coup de fil. Votre problème, il n'y a plus de problème. ou ça peut être quelqu'un d'aisé, un investisseur, une personne comme ça. Et elle, il n'y a pas de problème dans sa vie. Elle a que des solutions et ça va influer sur vous. Allez, on poursuit sur les associations. Quelqu'un qui vous a caché qu'elle était riche. Allez là. Argent secret ou argent gagné au black. secret héroïque et noble. Comme si, ah ouais, quelqu'un qui a mis de l'argent. Ah ouais, on va pas parler de ça, mais vous avez l'idée. Ah ouais, ok. Quelqu'un qui vous a caché qu'elle a des ressources, ou qu'elle a préparé des ressources, ou comme ça. Et vous allez conclure une affaire avec une personne. Là, c'est vous, la consultante, le consultant. Là, c'est les discussions. Et là, c'est la chance. Bon. Why not, hein? La clé de la maison. C'est bon, hein. Et l'arbre, c'est top. Franchement, ça parle pas beaucoup de. Si, il y a une communication, il y a un relationnel, il y a quelque chose. Ça peut être discret, mais et c'est pas en mode sauveur, hein. C'est pas quelqu'un qui vient vous sauver, hein. C'est quelqu'un qui est dans. Je vais demander la montagne, c'est qui? Choix. C'est quelqu'un qui est marié ou qui vous propose un mariage pour régler une problématique administrative. Ça arrive. Dans certains pays, c'est parfois la solution. Pour accéder à un bien immobilier, pour obtenir des papiers, pour. Ça peut être. Ah ouais! C'est bizarre, hein, mais on peut me parler d'un mariage au black, d'un faux. Non, c'est pas comme ça. Blanc? Enfin, vous avez l'idée. Ok.
Ok, je m'attendais pas du tout à cette lecture. Ah. Ou quelqu'un qui vous propose un contrat ou un truc comme ça pour. Mais normalement, l'homme et l'anneau, on parle d'une personne qui est mariée. Ou qui vous demande en mariage. Ou bien c'est vous, hein, qui voulez demander quelqu'un en mariage. Ça me fait rire parce que. Aïe, aïe. Alors, bah oui, le monsieur, il doit faire un choix, bien sûr qu'il doit faire un choix. Alors. Amour, chaleur et bonheur. C'est ça, hein? Ah non, c'est le cœur, ça, pardon. Monsieur marié, voilà. J'ai l'impression que quelqu'un. Encore une? Ouais, c'est très bizarre, hein? Soit c'est quelqu'un qui est marié à son travail. Soit c'est une personne qui vous propose quelque chose. Parce que là, les deux, ils se font face quand même. Ah ouais. Il y a vraiment une impossibilité sur une administration qui stresse. Il y a un changement qui arrive grâce à une proposition. Là, le 9, le bouquet, c'est toujours très plaisant. Qui apporte de la joie, du bonheur, vous voyez. Ces états-là, quoi. On parle de la fin d'une mauvaise passe, de la chance qui revient. Trente-cinq sont des valeurs de. Je vais vous dire je vais vous lire la lecture, hein, tant pis, mais c'est particulier. Hein. Ça va vraiment pas parler à tout le monde cette histoire-là. L'encre, c'est. Il y a un changement avec le trèfle, ça arrive soudainement et ça va durer dans le temps. Vous allez pouvoir vous ancrer ou comme ça. Pour certains, si vous êtes bloqué au niveau du bassin des hanches parce que vous vous sentez bloqué dans votre vie, comme ça peut se résoudre. Mais il y a une personne qui, moi je vois beaucoup d'argent, qui apporte de la sécurité, qui vous mène à bon port. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ça vous appelle à l'audace pour parvenir au succès. Donc il se peut que vous ayez une proposition qui soit. Je commence à mieux comprendre toute la lecture là, les amis. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. C'est très étrange. Parce qu'il pourrait y avoir une offre. Ce serait une personne qui presque est, je vous le dis, tant pis, hein, presque âgée, presque en fin de vie. Ou alors une personne qui vous propose, vous voyez par exemple par rapport à une maison, un, comment ça s'appelle? Un viager. Ou d'acheter un truc. Et une personne qui apporte une solution comme ça. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a plus beaucoup de temps à vivre ou elle a. Ouais. C'est très bizarre. Mais bon, après, je vais arrêter la lecture là. Attendez, on est à combien? Elle vient résoudre le problème là, administratif. Et c'est rapide. Ouais, bah elle est haut placée, hein. Quelqu'un au gouvernement ou qui a des contacts ou un truc comme ça. Hein. C'est un. Oula! Ou une proposition indécente. Ouais. C'est bizarre, hein. Ça sent un truc particulier. Hein. Une personne qui a
des mœurs particulières, je vous le dis. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas ce que c'est une orgie ou quoi, j'en sais rien, mais c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre la proposition, mais bon, ouais, une autre hein, après. Il y a quelque chose où vous pourriez avoir honte, une proposition indécente comme ça. Quand vous êtes dans le désespoir, il y a toujours des gens qui. Mais bon, après, si vous êtes en mode survie, moi je sais pas. Il y a quand même une situation qui. Ça semble un petit peu dangereux. Hein. Légèrement dangereux, je ne vous cache pas. Mais on me parle aussi que vous, enfin, vous allez avoir une solution. Il y a du monde qui est très envieux comme ça. Donc ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous pourrez avoir des contacts, avoir des personnes autour de vous qui ont un certain, qui vous aident, ou il y a un truc comme ça. Vous pourriez avoir des amis très jaloux autour. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est bizarre, quoi, ces énergies de. Serpent et jardin, là, c'est toujours hypocrisie, c'est très étrange. Et il y a quelqu'un dans tout ça qui reconnaît vos dons, vos talents, ou qui croit en vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui croit profondément en vous. Mais cette personne, elle est particulière. Elle est particulière. Mais c'est comme si elle voulait vous offrir un foyer paisible. C'est comme si elle voulait que vous puissiez prendre le temps de guérir, que vous puissiez, voyez. C'est étonnant. C'est étonnant. Ce sera la lecture du jour. Écoutez, je ne sais absolument pas comment je vais intituler ça. Sérénité et bonne énergie dans le foyer. Bon, très bien. Ça veut dire que il va y avoir du mouvement dans vos amitiés, des distances comme ça. Et pour d'autres, il y a une personne qui vous fait une proposition. Par contre, il y a des mœurs et il y a presque l'idée que vous ferez une croix, soit sur l'idée de d'avoir un enfant, soit sur une notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Ou soit vous refusez complètement quelqu'un dans votre vie de complètement mafieux et dévergondé. Voilà, ça c'est dit. C'est intéressant hein, parce que pour certains, vous savez, dans le relationnel, sentimental ou comme ça peut être des rapports de professionnels ou comme ça. Mais il y a un truc, il y a un prix à payer quoi. C'était étonnant cette lecture, hein, franchement. Bah écoutez, j'espère que ça parlait à certains et que pour les autres, ça vous a diverti. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Excellente journée à tous. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.